Madeleine, j'ai 16 ans. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le silence de Rose, un roman d'Isabelle Laurent qui raconte l'histoire de Rose, Tom, Théophane et Léna, des lycéens à la recherche de leur place dans le monde. Rose est une jeune fille autiste qui ne parle pas, rejetée par la société car elle est hors norme. Sa sensibilité et ses pensées sont différentes de celles des autres. Tom est un lycéen blessé par son passé familial, cherchant sa voie par le mime. Leur rencontre va bouleverser leur destin. J'ai beaucoup aimé ce livre car il m'a fait comprendre plus profondément le monde de l'autisme, avec ses limites et ses espoirs. Les personnages sont très attachants et font changer notre regard sur ce sujet de l'autisme qui est très actuel et profond. Malgré son silence, Rose peut nous parler de ses sentiments. Il faut l'écouter, donc lisez ce roman.